continue notre périple de l'aéropostale. On était à Barcelone, donc on se retrouve à Barcelone sur la piste numéro 2. Hein? Toujours avec notre avion, il est tout préparé. On est prêt à décoller. Qu'est-ce qu'on fait comme petit tour? Alors, on va pas directement à Alicante parce que Alicante, ça représente 3 heures, plus de 3 heures de route avec notre avion. Hein. Donc, on va aller à mi-chemin à peu près. Là, ça va nous faire, ça va nous faire 2 heures, je pense, quelque chose comme ça. Une heure, si on fait du 200, donc ce sera bien, hein, pour une vidéo. Donc on va à la magnifique ville de Castellón Costa Azahar, hein, qui est un peu dans les terres, à 1000 mètres d'altitude. Voilà, donc ben c'est parti. Hein. Donc ici, on va charger... je ne me rappelle plus si j'ai sauvegardé, mais je vais sauvegarder mon plan de vol, c'est Leblech. On va remplacer, je ne me rappelle pas ce qu'il avait fait. Donc ici FLP. Appuie ici et on descend Leblech. Oula, je me souviens plus déjà. Ouais, c'est Leblech, c'est celui-là, celui qui est juste au-dessus. Voilà, Enter. Ça, je comprends pas parce que mon ERAC est tout à fait correct sur les deux logiciels et il déconne. Je m'en fiche, ouais, je m'en fiche, puisque c'est comme ça, je m'en fiche. Donc on n'a pas, si on a, si je les ai allumés, les feux, bon, on va décoller. Hein. Donc il faut aller où? Il faut aller où? Il faut aller où? Moi je suis en deux, là, je suis pas vraiment dans le bon sens. Je vois rien du tout, c'est ça qui est bien. Moi je suis en 2. Je dois aller en 257. Ah ouais, d'accord. Oula, ouais, je fasse demi-tour. On va faire demi-tour, hein, c'est pas grave. Hein. Ok. Ok, vas-y, va, allez, on démarre. Où j'arriverai à décoller correctement. Incapable de décoller correctement avec cet avion. Ça, c'est à cause des... à cause de la non-roulette de queue. Donc là, il faut que je tourne à gauche pour aller en 256, c'est ça? On va déjà monter. Alors 256, pas du tout. C'est encore plus par là.
Ouais, elle était presque alignée sur l'autre piste. Alors là, on est 270. On est presque aligné sur la pelopiste. 256. 240. On a 260. Alors, 256, on va continuer à monter. On va continuer à monter. Je regarde encore. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Là, je vois pas du tout où je suis. C'est ça qui est bien. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Non, oh là 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 là. Sais pas comment virer tout ça parce que. Oh. On voit rien du tout. Bah, lui tourne évidemment. Donc on va le laisser s'approcher de la ligne et puis on va se remettre en 250. Voilà. J'aime bien parce que tu fais quelque chose, hop, tu fais l'inverse. Maintenir 140, voilà 250. Non. Trop. Voilà, on va regarder le paysage un peu. Donc là, c'est la grande autoroute qui dessert la Costa Brava. Là, c'est quoi? Ouais, c'est marrant, ça, c'est quoi? C'est quoi ce qu'il y a là? C'est ça là? Ah, c'est un grand plan d'eau. Canal olympique de Catalogne. C'est quoi le canal olympique de Catalogne? Bon, lui, il part complètement dans le mur, c'est ça, hein? À 270, on est trop. Oh, c'est pas facile, hein. Oula, il y a du monde. Ouais, il recommence. Ça marche plus du tout cette vue. Je comprends vraiment rien. Là, il part dans l'autre sens. Est-ce que c'est la gouverne qui fait ça? Pff, non, elle a l'air droite, la gouverne. Ne bouge pas tellement. Hein. Je sais pas ce qui fait ça, mais alors c'est vraiment pas stable. Hein. Oh, il n'est pas stable, c'est pas. C'est bizarre, hein, c'est vraiment bizarre. Hein. On voit pas du tout ce qu'il fait, pourquoi ça fait ça. On va baisser un peu le régime moteur. Non.
Alors c'était le plan d'eau de la Catalogne. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas. Oh, je suis pas à 200 là. Non, il n'y a pas de... J'ai pas de flamme, j'ai rien. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais on va arriver à 3000. 3000, on va essayer de... enfin, 2007, à 1000 mètres. 1000 mètres. 1000 mètres, pourquoi il fait ça? Je sais pas. Bizarre, ça c'est quoi? C'est des carrières. Hein, c'est des carrières. Est-ce qu'on les voit là, les carrières? Lui, il se rebarre où il veut, hein, c'est ça. Hein. Ouh, oh, il part complètement ailleurs. Pas vu ce que c'était les carrières du coup. Je suis où là? C'était là? Ah, c'était peut-être ça. Hein. Bon, il s'est complètement barré ailleurs lui. Hein. Il n'y a pas de problème, hein. Pas de soucis. Ah, par contre, là là là. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ça fait ça? En 240 là. Il tourne. Pas bien qu'ils reviennent pas au à l'écran où on était 257, là je suis en 240. Prends plus la vue qui bug hein, parce que je sais pas pourquoi elle bug cette vue. Un joli port, une belle plage. Oh, ça va, il est pas mal.
Par contre, il monte toujours, donc ça, c'est pas terrible. Il faudrait que je pense enregistrer l'air, c'est quoi comme ville? Tarragone, mais c'est Tarragone. C'est une ville célèbre. Tarragone. Autoroute toujours. Autoroute et Tarragone, c'est une grande ville. Hein. Pouah. Pouah, Tarragone. On va y arriver là. Pas loin, c'est 16 000 nautiques bientôt. Alors, 16 000 nautiques. Alors, j'ai essayé de trouver des avions de l'aéropostale, d'autres avions de l'aéropostale. Alors, j'ai trouvé sur XPFR, malheureusement, il y a le Potez qui est celui qui traversait la cordillère des Andes. Il est en version 9, et alors en version 9, ben, je sais pas comment faire pour passer en version 11, je crois que c'est assez compliqué. Et j'ai passé un utilitaire de Planemaker. Je ne sais pas si j'ai bien fait, qui a repris toute la compatibilité des avions pour X-Plane 11. Donc il a repris les fichiers ACF. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, si je ne vais pas avoir des mauvaises surprises. Bon, lui, il veut toujours pas descendre. C'est pas 15, c'est 1500, oui, 1500 tours minute. Ouais, ça va. Va voir revenir. Alors, clear, FLP, est-ce que je peux revenir à nav? Ou que c'est fatigant ça. Comment on fait pour revenir à nav? Voilà, c'est compliqué hein, ce truc-là. Voilà, ça y est. Je m'occupe d'autre chose et ça barre complètement. Ah! Ah là 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 là. Ah, il fait chier ce truc. Oh là là, puis il est parti loin.
par loin souvent, hein. Non, c'est pas ça, c'est ça. Tarragone. Là, je suis un peu trop, mais évidemment, on va essayer de rejoindre la ligne. Me dit mon copilote X-Plane 430, hein, Genèse. Ah, c'est pas bien aussi quand on coupe la fenêtre. 240, 257, on va attendre. Peu l'heure, c'est après, il y a encore 75 nautiques. Bouge. Unable to find U-97. Qui me fatigue, celui-là. Aïe, 200, alors 24, c'est trop. Donc là, c'est Tarragone, je crois, hein. Pas encore. Oh non non, c'est Torri d'Embara. Torri d'Embara, il y en a des blés, non? Sur la Costa Brava. On dirait que c'est construit de A jusqu'à Z. Bon, on fait une petite sortie. Ça, c'est toujours l'autoroute. Toujours l'autoroute. On est trop pour voir des voitures. Peut-être avec les compensateurs d'aileron, je pourrais le stabiliser, mais compensateur d'aileron, moyen. Je sais pas. En plus, ça marche. Quand ça a le temps, c'est ça, l'interface. Je pense qu'il faut couper ça. Hop. Marche pas. D'accord. Ah. On arrive à Tarragone. Par contre, je vois pas le l'aéroport. Oui, l'aéroport. Qu'est-ce que je suis dessus là, Tarragone sur ma gauche, là en principe je devrais aller au aéroport. Il est où? On voit jamais. Quand il y a que du vert comme ça, je vois que du vert. Est-ce que c'est là-bas? Pas sûr, peut-être, je sais pas. Peut-être, je sais pas, peut-être pas, peut-être
Peut-être pas. Peut-être pas. Donc je sais pas si on va garder tout le temps cet avion, mais c'est ce qu'il faudrait faire hein, pour faire pour de vrai. Hein. Pour de vrai comme ils faisaient eux, il faudrait garder cet avion. À plus de 200 km/h. Pas si. Pas si mauvais que ça, mais est-ce que je vois mon aéroport? Bon, rien du tout, d'accord. On va faire arrêter de descendre. Ah, ça bouge. Bon, on ne voit pas où il est cet aéroport. Attends, je devrais le voir là maintenant. Bon, on voit plein de trucs. Bon, je sais pas où il est. On est d'accord, c'est pas du tout là où il faut aller. Ah oui, il a bougé, donc chaque fois qu'il bouge, donc c'était bien la petite lumière qui clignotait. C'était bien la petite lumière qui clignotait. Là, si je vais droit, là, j'allais droit dessus. En principe. Ils sont un peu sensibles les commandes, je trouve. Les pieds bougent, ça bouge. Alors là, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. C'est mieux, sauf que ça bouge. Non, mais là, je bouge à peine. Hein, à peine le joystick et ça bouge. C'est très sensible. Trop descendu encore. Ça, c'est des lignes à haute tension, elles sont bizarres les lignes à haute tension. Et l'aéroport, je pense que c'est ça. Là, c'est la zone industrielle, les lignes à haute tension, l'autoroute et notre aérodrome ou aéroport, je sais pas, qui se trouve ici. On peut aller juste dessus. On a fait une bonne partie là du chemin, là maintenant. On est au-dessus. Alors, 221. On dit
que il va falloir que j'aille en 221, mon copilote 430 dans 5 secondes. Allez, 2, 3, 4, 5, et on va en 221. Donc 221, c'est par là. 240, 230, 221, ça doit être quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Commencer dehors. Tarragone, zone industrielle là. Hein. Ah non, il y a des. Il y a pas mal de la zone industrielle de Tarragone. Hein. Ça. On va essayer de venir de 110, évidemment. Qu'est-ce que ça dit là? Bon, c'est pas mal. 75 000 nautiques, on n'y est pas encore, hein? C'est pas ça. Ouais, il n'y a même pas de choses pour pointer. Comme ça, mais on n'est pas assez précis, hein, ce. Lèbre, je vois pas où c'était Lèbre, ça doit être ça, on passera. On a que 1000 pieds à faire, hein, puisqu'il est à 1100 pieds que la Mocha. Mocha ou Mocha, Lech. Lech. Marrant, les plateformes pétrolières sont indiquées. Je sais pas si je la vois là. Non, on voit rien du tout là. On voit rien du tout. On va le laisser dériver. Là encore, des vies. Des jolis ports. Mmh.
construire sulla costa. Che brava. Ça continue, ça continue. On va arriver. Il y a un port immond. Ouais, je suis pas encore là. Hein. Ouais, 30 000 nautiques encore. Hein. Ouais, évidemment, ce bar. Si on vise la mont qu'il y a là-bas, est-ce que c'est bon? Moi je vois rien du tout. Ça doit être celui-là, le Campaniles. On va viser, si on vise le Campaniles. Ouais, non, c'est pas celui-là, hein. C'est trop loin. Non, je vois pas du tout. C'est. Ah, c'est peut-être celui-là. Donc celui-là, le Toreda. 763 mètres, ouais. Ça a l'air d'être ça parce qu'il passe en pile sur ma route. Là j'ai le gros réservoir au milieu, évidemment. Mais non, un gros réservoir au milieu. Tourne. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Moi, je la verrai pas, elle est trop loin à la plateforme. Je la verrai pas. Non, je la vois point, je la vois point. Ça, ouais, je sais pas trop.